que j'ai la maman et qu'elle soit fière de moi. Avancer pas à pas, ouais, c'est ce que je voulais faire. Pas grand chose. Frère, j'ai pas fait exprès, je te promets. Pour un con, y'a pas grand chose. Ah frérot, je l'ai pas vu le mur. Tu sais, j'ai une franchise de 3000 euros sur ça, tu le sais. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Avant que toute chose commence, je voulais vous dire que j'ai un compte TikTok. Sur ce compte TikTok, je fais des lives avec GameX13, Le Bof, Arias Officiel, Fafa TV, plein d'autres gens, Solid Mike, plein de youtubeurs que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur TikTok, le lien est dans la description. Et le nom du TikTok s'affiche ici. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de Fafa TV. Vous le connaissez maintenant, il est dans toutes mes vidéos. Et je suis sur sa chaîne aussi, où il m'a fait des pranks, etc. Donc si vous voulez voir un peu de contenu, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne qui s'affiche en bas et en description. Et nous sommes aussi en compagnie de notre petit Maxou, que vous connaissez déjà. Voilà. Si vous voulez le rajouter sur Instagram, son Insta s'affiche ici également. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo assez spéciale. On a reçu beaucoup de messages sur Instagram. Il se trouve que dans un petit village à côté de Marseille, un village assez tranquille, une petite racaille, un petit voyou qui se prend pour Tony Montana ou je sais pas qui, s'amuse à agresser, à voler et à racketter les gens qui passent sur un petit passage où ce jeune homme traîne. Donc en fait, tous les habitants de ce petit village sont obligés de passer par ce passage et lui, il se poste ici et dès qu'il voit un petit garçon, une dame âgée, une personne âgée, il s'amuse à les victimiser et à leur faire peur. On va s'y rendre, on va mettre une caméra cachée, on va voir s'il y a quelqu'un qui se pose à cet endroit-là et on va voir ce qui se passe quand une personne passe devant lui. Et j'espère qu'on va y tomber dessus pour lui donner une bonne leçon et lui montrer c'est quoi la vraie vie, voilà. Donc les gars, voilà, ben, on est sur le pont, sur un petit pont à côté d'un canal. Et apparemment, c'est ici que le jeune en question, le jeune agresseur, le jeune racketteur, se pose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Fafa. Fafa va passer devant lui pour voir s'il réagit. Et après, bon, s'il ne réagit pas, on attendra de voir s'il y a des personnes un peu plus vulnérables. Donc là, Fafa va passer et on va voir s'il dit quelque chose à Fafa. On va voir s'il s'en prend aux jeunes de son âge. Ah, il demande une cigarette, je crois. Ouais, ok, sans plus. Non, rien de particulier. Hein. Il t'a parlé, le mec? Il m'a demandé une cigarette. C'est tout? Ouais. Rien de plus. Il m'a dit, t'as pas une cigarette, le S? Il... Gentil. Gentil. Je pense. On va voir. Bah, on reste là et on attend de voir s'il y a encore des gens qui passent. Hein. Ok, il y a une dame qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Il est en train d'embrouiller ou il la connaît? On dirait qu'il la connaît, non? Ouais, il la connaît. Ouais, il la connaît, frère. Ben, je pense, parce qu'il parle avec. Okay. Mais après, là, il fait des gestes un peu, tu vois? Tu vois ce que je veux dire, ou quoi? Bon, je crois. Je sais pas, gros, j'arrive pas à entendre de là. Ouais, je crois qu'il le connaît pas, vous. J'ai entendu, je te casse, non? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, oh, arrête-toi! 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 C'est bon? T'as compris là? Reste là, reste là, reste là. Viens, viens, attends, viens, viens, viens. Vas-y, arrête de filmer, Demi. Tu as vu ce que tu as fait là tout à l'heure? J'ai rien fait, moi. Mais tu vois, t'as rien fait, on t'a filmé, tu vois pas comme caméra? J'ai rien fait. Enlève cette caméra. Mais non. Tu vois, tu fais pour qui? Ah frérot, je t'explique, nous on n'est pas d'ici. On n'est pas de ton village perdu. Tu vas pas faire des voyous avec nous. En plus, on n'a pas ton âge. Donc tu vas rester tranquille. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la dame à qui tu as arraché le voile. Non, non, si, si, tu l'as arraché. Arrête de dire, tu as pas arraché, on t'a filmé. Je te dis. Oh, c'est bon, t'as filmé. Alors, ce qu'on va faire, tu vas venir avec nous. On va voir la dame. Et tu vas t'excuser. D'accord, parce qu'elle va porter plainte aussi. Ah, et on va voir si elle veut pas. La police est portée plainte. Voile, je m'excuse pas. Ah, parce qu'elle a un voile, je vais pas t'excuser. Je m'excuse pas. Elle aurait pas eu le voile, je m'excuse pas. Tu es raciste en plus? Ouais. Quel âge? Quel âge t'as? 18. T'as quel âge? 18 ans? Ouais. 18 ans et tu es comme ça? 18 ans, tu es comme ça? Elle aurait pas eu le voile, je m'excuse pas. Et tu as une capuche? T'as non? T'as une capuche sur la tête? Ferme ta gueule avant ça. T'as du cul.
Papa, va chercher la voiture, moi je reste avec les Maxime. Va chercher la voiture et comme ça tu nous rejoins là-bas en voiture. Hein? On va voir si tu as ta peur de papa. Tu vas faire ta peur de avec des vrais hommes. Hein? Pas avec des femmes, pas avec des enfants. D'accord? Hein, on va voir. Ah, parle de quoi? Comment tu parles? Oh, comment tu parles? Oh, comment tu parles? Tu veux quoi? Tu veux que je te retourne ou quoi? Comment tu parles? Comment tu parles? C'est du quoi? Fils de p. Lâche-le, lâche-le, Maxime, t'inquiète pas, il va rien faire. Fils de p. Vas-y. C'est mon collègue, c'est ton citoyen, il va te faire. Ah, la femme, elle est plus là. Elle est plus là, la femme. Elle est plus là. Donc, qu'est-ce qui paraît, toi? À ce qui paraît. Je te mets ici. Là, tu t'assois là. Comme un grand. Toi. Et tu raquettes des gens, c'est ça? Hein? C'est amusant. Il est voilé, il est voilé, tu vois. Ah ouais? Lui, tout à l'heure, quand il est passé, tu as pas fait la voyou avec lui. Normal, tu peux voler, je t'ai dit. Il a une capuche. Ah, prends ta gueule, hein? Prends ta gueule, je te l'ai dit, j'ai. C'est un non, mais c'est. C'est un minot. J'ai pas eu le frapper. C'est pas merde. Oui, la France. C'est ça, c'est que c'est les parents, ça. Oui, c'est les parents. C'est les parents, gros. Ah oui, c'est les parents. J'ai un téléphone? Non, je peux au téléphone. Tu m'as téléphone, tu me prends pour un con? Tu m'as téléphone? Tu me prends pour un con? Hein? C'est à toi? Oui, c'est à moi. Bah, non, il a mis. Tiens. Merci. Mais j'ai un téléphone, hein? C'est cadeau, tu as pas autre chose sur toi? Non, j'ai rien. Tu vas où? Non, j'ai rien. Tu as fumé la cigarette que je t'ai donnée tout à l'heure? Ouais. Je pourrais bien récupérer. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant, flic? Ah ouais, c'est quoi? Laisse-moi loin, laisse-moi. Mais tout ce que tu viens de faire, agression, la dame elle doit être choquée. Pas aux flics. Nous chez nous on n'aime pas les flics et tout. T'aimes pas les flics, t'aimes pas les voilés, t'aimes rien toi? Non. T'aimes qui? Au commissariat y'a pas ça, y'a pas. Comme ça y'a pas? Non, ça sert à parce que tu vas faire venir les parents, ils vont dire. C'est en pareil, oui, ils vont dire la raison, c'est sûr. Ton père c'est un raciste, pareil. Ouais. Ta mère aussi. Toute ma famille. Ouais, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un complexe d'infériorité? Tu as un complexe d'infériorité ou quoi? Oui, on m'a recassé le cul. Tu casses le cul à qui? Tu casses pas le cul, frère, que tu sais, c'est des femmes que tu agresses, gros. Moi aussi. C'est pas vrai. Moi aussi, ça m'étonne. Mais appelle les flics. Appelle les flics. Non, pas les flics, s'il te plaît. Non, pas les flics. Eh oui, pourquoi? Eh oui, pourquoi pas les flics? Pourquoi pas les flics? On peut trouver un autre moyen, pas les flics, s'il te plaît. Un autre moyen? Ouais. On garde ton téléphone? Non, pas le téléphone. Ouais. J'ai que ça, j'ai pas d'argent. Je m'en fous que j'ai pas d'argent. La femme, là, qu'est-ce qu'elle a demandé, la femme, là, qui est venue? Quand tu as arraché le vol, qu'est-ce qu'elle avait, là? T'as fait quoi? Je sais pas. Tu vas récupérer ton téléphone, là? Oui. Pas de problème. Bon, les amis, voilà, on a le téléphone de notre ami. J'aurais bien aimé aller porter plainte, le problème, c'est qu'on peut pas, étant donné que c'est pas à nous qu'il a fait la crasse et que c'est à la dame. Donc, en fait, c'est à la dame en question qui a été agressée d'aller porter plainte. On va la retrouver, la dame. Donc, nous, on va faire en sorte de la retrouver et si une dame. Qui s'est fait agresser aux alentours des coins à côté de Marseille, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram si c'était vous. Voilà, nous en attendant, on va le faire payer autrement. Il tient à son téléphone vu qu'apparemment il a que ça. Hein. Et on va voir si tu tiens vraiment à ton téléphone. Si tu tiens vraiment à ton téléphone, t'as juste à le récupérer, ok? Ah merde, j'ai marché dessus, je sais pas avec quoi. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, hein. La séquence qu'on va vous montrer a été filmée avec une Tesla. Voilà, quand ma voiture a des caméras, ben on va tout voir. Hey mec, tu veux ton téléphone? Ouais, bah alors viens le chercher. Ils prennent pas quoi le téléphone? Déjà ils nous regardent, ils comprennent pas. Rendez-vous sur notre page Instagram pour vous montrer l'état du téléphone. Après la... J'espère que cette vidéo vous a plu. Grosse dédicace à Fafa et à Maxou. Nous, on va récupérer le téléphone. Et rendez-vous sur la page Instagram pour vous montrer dans quel état il est. Ciao.